Aux confins de la galaxie explorée par l'homme, un homme tortue erre au sein de la colonie Oura. Victime d'une tourelle infernale mal contrôlée, il ne lui reste plus d'espoir et ses seules activités se résument à dormir et à manger. Le reste de la colonie progresse avec un premier système de tapis roulant utile pour apporter la nourriture des plantations au congélateur. La prochaine étape, la mise en place des premiers droïdes pour aider les survivants dans leurs tâches quotidiennes, va-t-elle porter ses fruits? Le calme qui s'est installé depuis plusieurs épisodes, va-t-il le leur permettre? Vous le découvrirez en voyant cet épisode. Allo allo, bonjour tout le monde, c'est Yoga5477 de retour pour l'épisode 19 sur Rimworld. On est bientôt au 20. Donc l'épisode précédent, on s'était mis en place nos petits tapis roulants qui ont l'air de manquer d'électricité. Pourquoi j'ai des trucs électriques qui manquent là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'électricité qui manque? Voyons un peu ça. Ben alors, pourquoi ça manque ici? Je comprends pas pourquoi ici j'ai un signe qui dit que j'ai pas d'électricité. C'est pas grave, on va se faire un petit conduit ici. Donc, on est de retour. On a toujours M qui n'est toujours pas converti à notre cause. Ça devrait, j'espère, pas tarder. Et on a notre scanner ici qui scanne et qui nous a repéré pas mal de choses. On attend encore un peu. Donc là, on a notamment du steel. On a du plastil par ici, de l'uranium. Encore du steel ici, du steel là, du steel là. C'est bon à savoir notamment qu'il y a du steel ici parce que ça permettra de savoir qu'on va aller creuser par ici. Donc plutôt sympathique. Donc je pense qu'on fera, on ira miner par ici et on en profitera pour replacer le scanner par ici et scanner le reste de la zone. Donc ça plutôt sympathique. Et on était en train d'essayer de voir pour se faire des droïdes. Ah, j'ai pas assez de courant. Ah, je produis plus tant que ça. Je dépense plus que je construis. Donc on va remettre la priorité sur ce petit truc là. On va remettre en critique. Voilà. Tac. Panneaux solaires. Ça va peut-être le coup de se refaire des panneaux solaires également. Notamment. Alors, power. Power. Panneaux solaires. J'ai quoi que je peux me faire? Générateur thermal, ouais. On va se refaire des petits panneaux solaires par ici. Ça pourrait être sympa. Alors il faut faire bien attention à pas faire des blocs de 9. Voilà, on va se faire tout ça. Et on va faire un conduit jusqu'ici. Voilà. Des nouveaux panneaux solaires, ça va être sympa. Ici on était censé se faire une zone d'agriculture. Mais du coup il va falloir qu'on se fasse une porte, une autoporte. Voilà, par ici. Et qu'on se fasse venir de l'électricité aussi. Comme ça, un petit power switch au cas où. Encore un peu d'électricité. Et là, on était censé se mettre un chauffage. Voilà. Et un chauffage et une lampe. Alors, production, on va avoir au moins une lampe. Peut-être deux. Ah, on a fini mining. Ok, on va rechercher autre chose. Drawing. Power gen, on va faire power gen. On mange pas de pain, c'est pas trop cher, c'est 100. Donc on va se faire une zone ici. On va se mettre deux lampes. Voilà, là et là. Donc là, ça couvre pas mal. Ouais, ça doit se couvrir à peu près. Ok, impeccable. En sachant que celui-là, je sais pas s'il va être connecté. On verra bien, on va construire tout ça. On verra bien après si c'est connecté comme il faut. Donc en termes de tapis roulant, c'est bon, il y a de l'électricité partout, très bien. Et là, on est en train de creuser notre deuxième frigo. On va commencer à se faire la cuisine ici. On va pouvoir enlever les pierres. Alors j'ai beaucoup de travaux d'enlevage de pierres par ici, qui sont pas complètement satisfaits. Gênant, on va accélérer un petit peu. Et je devais regarder en termes de droïdes. Alors, ici les droïdes, notamment. Droïdes assemblés, on avait dit de faire. Ah ouais, un droïde de nettoyage. Plutôt pas mal. Et c'est qui a commencé? Personne n'a commencé pour l'instant. Ok. Droïde de nettoyage, je sais plus ce dont on avait besoin. On avait besoin de quoi ici? Ah ouais, on avait besoin de style et de circuit. Très bien, et en termes de circuit, on avait ici besoin de circuits. Voilà, on va les faire.
Pour faire un circuit, on a besoin de quoi? On a besoin de silicone. Ah, ah bah oui, mais alors attendez, silicone, c'est bien gentil, mais pour faire du silicone, on a besoin de quoi? On va avoir besoin de choses pour faire du silicone. Voilà. Ici, Advil, Steelbar, mec silicone, bah voilà, forcément. Ah là là. Je savais bien qu'il manquait une étape dans la chaîne. Donc, on va suspendre ça. Et on va faire du silicone jusqu'à ce qu'on en ait. Il nous faut du sable, d'accord. Jusqu'à ce qu'on en ait. Bah, au moins. Allez, 70, ça devrait suffire. On va espérer que 70 suffisent, en sachant qu'ici j'en ai besoin de combien? C'est ici que j'en ai besoin. Pour faire circuiterie, j'ai besoin de 10 silicones. Ouais, donc ça devrait suffire. Ok, donc du coup maintenant on a la chaîne. D'abord faire du silicone ici, ensuite faire des circuits ici, et ensuite faire le droïde ici. Ok, ça a l'air d'être revenu. C'est reparti, on y va. Alors, et là, oh, ça y est, on a un clean drawing. Attendez, attendez, oh, comme il est rapide. Reviens là, reviens là. Ouh, j'espère que c'est pas lui qui fait bugger. Alors, on a quoi? Il a un personnage in, on a clean drawing. Je peux le faire. Oh là là, c'est super ça. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il sait tout faire. En gros, il sait rien faire. Il est incapable de faire quasiment tout à part cleaning droid. Ah, donc, il peut rien faire sauf cleaning, a priori. En termes de santé. Santé. Non. Voilà, ça. Ok. Non, mais santé. On revient sur cleaning droid, s'il vous plaît. Ah là là. Bon bref, on a un droïde qui nettoie maintenant. Ce qui fait qu'on va pouvoir enlever la tâche de nettoyage aux autres, je pense. Clean, on va mettre. Voilà. Tac. The Baby, ah ouais, on lui a enlevé les tâches de nettoyage. Ok. Voilà, on va les enlever parce que maintenant il y a le droïde qui est censé nettoyer. Bah, tout le temps. Et il se déplace à une vitesse folle. Il va nettoyer. Hop, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie. Ah, j'aurais bien aimé. Il est là, oh, c'est un robot. Il a mis un duster, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est qu'il s'est habillé le droïde. Vous savez, c'est les droïdes comme les aspirateurs. Hein. Il est en train de wandering. Ok, il se promène. Il cherche de quoi nettoyer, mais il n'y a rien à nettoyer parce que tout est propre. À moins que. Alors, droid work. Maintenance, cleaning. Maintenant, bah, on va les mettre cleaning, on va les mettre en 1. Maintenance en 2. Voilà. Du coup, Clean Droid, il est en train de se promener. Il sait toujours pas où nettoyer. Pourquoi tu veux pas nettoyer ça? Power. Critically low. Ah, ok. On va avoir une histoire de puissance, j'ai l'impression. Ah, ouais, il y a de l'énergie ici. Il va falloir qu'il aille surcharger de temps en temps. Alors, ici on a fini Power Gen, Drawing Charge Pad. Ouais, on va avoir besoin d'avoir ça. Ok. On va chercher le. Parce que si le droïde, une fois qu'il sera déchargé, sinon je pense qu'il va s'arrêter. On va le désactiver le temps qu'on ait le Charge Pad, comme ça l'énergie descendra pas. Ok. Charge Pad immédiat. Ok, donc on va le suspendre en attendant qu'on ait un charge pad. Mais ça, c'est une bonne. Je suis assez content. Ça va être sympa. Après, j'imagine qu'on va pouvoir faire des droïdes qui font des choses un peu plus compliquées que ça. Oh, sécurité, on a une nouvelle tourelle. Ah, ça y est, on a les mortiers. Ah, c'est ça. Très bien, les mortiers. Alors, order, fourniture, structure. Il nous faut une auto-door en planche. Pour notre nouveau frigo ici. Très bien. Hop, ensuite, on va sûrement se faire un peu de lit. Un lit par ici. Alors, tac, comme ça et comme ça. Très bien. On va peut-être commencer à se mettre des bureaux comme il faut. Oh! Oh non, ça y est, j'avais commencé à planifier de la déco. Bing, siège. Alors, les pirates. Voyons un peu ça. Où ils sont? Ouh, ils sont un paquet.
Ils sont un paquet, ils sont armés de grenades, EMP grenades. Ok, là eux ils ont une des armes. Là ils ont des armes aussi. Ok, ça va être un peu chiant. En plus, ils vont faire un siège, donc ils vont se mettre là, comme la dernière fois. Et donc du coup, comme la dernière fois, on va les attaquer, mais tout de suite. Direct, direct, on va les attaquer. Donc je vais recruter tout le monde. Noël, t'es pas armé, Noël? C'est quoi cette histoire? Pourquoi t'as pas d'armes? Tu sais pas te battre ou... Ah, tu sais pas te battre, d'accord. Autant pour moi. Ah oui, t'as les piscines, j'ai pas fait attention. Axel, t'es recruté, tu vas venir ici. Julie, t'es recruté, tu vas venir ici. Alors ensuite, Titrax, on va te laisser... Oh non, t'es recruté aussi, tu vas venir, tu vas notre... Ah, The Weeby, zut! The Weeby! Ah là là, c'est vrai que The Weeby il avait un rôle impressionnant dans notre défense. The Weeby, tu vas lâcher ton. Voilà. Tu vas lâcher le fusil. Tu vas lâcher le fusil. Et Shunshi, tu vas prendre le fusil. T'as de quoi tirer? Ouais, tu sais tirer à 7, c'est pas mal aussi. Donc on va faire comme ça. Gakun, tu viens avec nous. Hop! On a qui d'autre? Slider, toi tu viens parce que c'est toi qui as le fusil sniper. Josgag, tu vas rester là en défense de la colonie pour l'instant. Simone, tu vas venir avec nous. Ok, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des gens que j'aurais oubliés? Alors on va mettre en vitesse normale. Tac, tac. Donc, Shunshi, on te draft, tu viens avec nous ici. Alors, Wizard TV, il vient pas, c'est normal. Et il y a Bat ici. Ah, Bat, tu vas venir avec nous. Allez, c'est parti. Allez, dépêchez-vous. On y va tous ensemble. Comme des grands. Avant qu'ils nous attaquent, ils pourraient détruire toutes nos cultures. Là, ils sont en train de construire. Non, ils sont en train de commencer à construire. Par où on va les prendre? On va monter par ici. Venez par là. Ça y est, attention. J'allais appeler cet épisode Cleaning Drawing. Droid, pardon. Je sais pas si je vais encore pouvoir le faire. Allez, 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 allez. On va par ici. Vite avant qu'ils s'installent trop bien. On va pouvoir les prendre par là, je pense. Alors, dans le détail, slider, c'est quoi ton range, toi? Ok, t'es déjà suffisamment à portée. Ah, attendez, 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 attendez. Alors, slider. Slider, toi, tu tires de loin. J'aimerais bien que tu les alignes d'ici, par exemple. Ce serait pas mal de là. Bat, c'est quoi ton range, toi? C'est beaucoup plus court, ok. On va te faire aller là. Titrax, toi t'es à bout portant, donc on va venir te mettre là. Voilà. Toi c'est quoi? Ah, toi tu tires de loin, donc c'est très bien. On va venir te mettre plutôt par ici. Shunshi, tu vas tirer à distance toi aussi. Tu vas peut-être aussi revenir jusqu'ici. C'est un peu risqué. Ensuite, Gilly, toi tu tires pas très loin. On va venir te mettre là. Axel, toi tu tires loin. On va venir te mettre là. Et Gakun, on va venir te mettre par ici. Alors c'est parti, attention. Il y a des gens qui ça commence déjà à tirer. Ok, là on en a un avec un bouclier, ça veut dire que. Titrax, il est pour toi. Il est pour toi, lui il a un bouclier. Axel, tu tires ce gars-là. Bat, vous allez vous tirer dessus les uns les autres.